saison. Damen und Herren, bonsoir. Dans quelques instants. On salue tout le monde ce soir. Premier rocher que la mer suce avec un bruit. La mort correspond à un froid aussi grand que ça. Et nous venons d'avoir une petite interférence. Dans quelques instants, un nouveau plateau. C'est-à-dire un dessin. C'est un dessin. Pendant ce temps-là, écoutez, hein, on se rejoint à l'instant même. On s'unit, on s'assemble. Hein, on est heureux, on est ensemble. En quelques instants, finale du top 14. Oui. Avec le masculin. Absolument. Alors oui, on bascule, Jacques. Il faut préciser que une petite entorse à cette Coupe du Monde féminine qui se déroule très bien. Une première entorse, je pourrais dire, d'ailleurs. C'est vrai. Nous préciserons pourquoi. Sportage 902. En sourde. Pas en sourde, non, madame. Bien entendu. Sportage 902 dans quelques instants. Finale du championnat de France de rugby. Tu es mon top 14. Les villageois. Et on écoute le top 14. Avec Marc Koska. Eh bien, c'est notre numéro 14. Ce soir, le top 14. Et nous écouterons tout à l'heure le top 13. Ouais. Merci, hein, le président, hein, qui continue de saluer président tout le monde. Quoi, le président quoi de la France. De la France. C'est pour préciser, il y a quand même beaucoup de présidents. Là, il y en a trois. Écoute, pas le premier. Le premier, d'accord. je ne sais pas qui était le premier. Okay. Mais derrière, nous avons le président de la France, le président de la Ligue et le président de la Fédération. Ça préside à mort. Mais le premier, je ne sais pas qui c'est. Et pourtant, c'est lui qui présente tout le monde. Président du stade, peut-être. Ah non. Consortium. Non, consortium peut-être. Oh, il s'agenouille. Oh, il s'agenouille face à Emmanuel. Emmanuel. Je persiste à penser que vu de loin, ça donnera vraiment quelque chose. Mais... Ouais, Sportage, c'est ça. C'est que vu de loin, ça veut donner quelque chose. Et ça fait quand même quelques années hein, qu'on regarde de loin. Ça mijote. Sportage 902, dans quelques instants. Serrons des mains. Si c'était à refaire, je republierai tout. Et vous avez raison, madame. On a beaucoup de messages, bien sûr, arrivant de tous les pays. C'est une finale ce soir, Jacques, c'est gala, tout le monde veut rentrer dans cette soirée, hein, parce que c'est important d'être là, de se montrer. Ouh, quoi, l'autre, il a quand même tout le pognon dans le bras droit, là, et il a tout mis. Hein, ouais. Et où, le chèque, c'est un chèque? Vous, chèque, non, carte bleue, d'accord. Alors, c'est un peu plus difficile avec les maillots jaunes qui sont offerts. Lui, c'est virement direct. Ah, j'en étais sûr. Et l'autre qui s'agenouille, quoi, là. Moi, c'est directement carte bleue. Hein. Je te préviens, si tu ne payes pas, je te casse. Ah oui, hein, c'est là, une succession. Ah oui, là, d'ablution. Notre-Dame de Macron. Ah oui, c'est ça, hein, le roi. Il s'agenouille devant le roi, tout, c'est quand même extraordinaire. Ces joueurs des dom-toms, des colonies, hein, ils ont encore un respect pour l'institution. Ils ne sifflent pas à leur roi. Et ils ont raison, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je ne sais pas. Oh, il se bat tout seul, ça y est, il se bat tout seul. Des moustiques. Je ne sais pas si on peut considérer que ce sont des s'agenouilles. Attention, Jacques, s'il te plaît, oui. Une présentation d'une jeune femme.
Oui. Non, elle a non. rien dit encore. Alors, en fait, non, c'est à vous. Oui, merci. Alors, s'agenouille, c'était limite un peu sexiste, mais on apprécie quand même encore les mots testoronnés. Alors, bien sûr, vous pouvez voter sur le 3615 pour est-ce que c'est un propos sexiste ou est-ce que ça n'est pas un propos sexiste. Vous appuyez un ou deux. Hashtag. Passe pas devant, ton connard. Oui, bien. Continuez. Sportage 910, ça va commencer. Non, on déconne un peu, mais là, mais c'est du sérieux. C'est une finale de championnat de France de rugby, quand même, entre les deux formations qui ont terminé au premier rôle de cette compétition, Jacques. Champagneau de France, oh effectivement. Rugby champagne ce soir, annoncé par tous les médias, y compris Radio Sportage. Ouais, enfin, nous, on l'espère. On l'espère. Il faudrait pas qu'effectivement. Eh bien, dites donc, il y a quelqu'un. Jean-Louis. Allô. Donc, attendez, c'est stade, Gala et on n'a pas un son. Stade Toulousain, Clermont-Ferrand. Oui, Jacques, c'est ça. On a l'impression d'être dans une cahute quelque part. En fait, vous n'avez pas eu les accréditations, c'est ça. Vous n'êtes pas au stade. Vous n'êtes pas au stade. Oh, du coup, quelle misère cette émission. Effectivement, c'est depuis Cherbourg. Le petit bois de Cherbourg. Que nous vous commentons cette émission. Il y avait un feu d'artifice là. On commençait en même temps, mais désolé pour le son qui crépite. Et le match a commencé. Et le match a commencé. Oui, oh, bah, écoute, ah oui, c'est du rugby, c'est vrai. Bon, mais... Ça va s'arrêter, ça va sans dire. Ça va. Oh, bénéfice de. Et c'est chaud d'entrée. Ouais, ah, voilà, ben oui, voilà. C'est une finale. On est obligé de crypter le match. Oui, c'est parti, hein, ça y est. On crypte, il y a la violence. Oui. Comprenez, on est sur un réseau social qui crypte tout. Ouais, on s'est fait niquer. Toute l'adrénaline est là. Hein. Écoutez l'adrénaline. C'est un beau son, ça. J'aime Pourquoi ce est-ce son. Que ce phénomène reste vrai? Parce que l'adrénaline, madame, a toujours été, depuis tous les temps, le truc de l'homme, le moteur de l'homme, c'est l'essence, l'adrénaline. Oui, l'essence même. Oui, l'essence oui. Même. Moi, j'ai dit l'essence, vous, c'est ça le moteur. Augmenter, ça. Les premières pénalités, Marcaviel, au bénéfice des Clermont. On s'attend donc à beaucoup de jeux, hein, beaucoup de... On espère, beaucoup de jeux. De non, perte de balles quand même avec, mais du jeu. Ben, de l'esprit du jeu. Le jeu crée le déchet, la perte de balle, la relance et ainsi de suite. C'est vrai, tu as raison de le dire. On l'espère, on l'attend. Tu sais, une finale, c'est toujours un peu particulier. Avec Greg Lagence, hein, qui a ouvert une succursale à Toulouse la semaine dernière. Dans l'immobilisme. Trois premiers points pour Clermont-Ferrand. Et oui, trois premiers points pour Clermont-Ferrand qui ouvre le score dans cette finale. Alors, c'est un sport qui demande beaucoup de discipline. Oui, Jacques. Les règles sont compliquées, les possibilités... Oh, quel stade, regarde, c'est rempli. Hein. Ce soir, c'est rempli, c'est pas Roland-Garros, là. Ça déconne, il y a du monde partout. Le physique change-t-il l'âme du sport ? Forcément, Jacques, bien sûr, nous reprendrons cette discussion tout à l'heure, mais oui, je dois répondre que forcément, plus tu es armé physiquement pour ton sport, et plus, bien sûr, tu peux être performant. Ce soir, nous vous invitons à nous rejoindre. Avec Sportaz, révisez votre bac. Avec son système, haltérophilou. Filou. 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 Tu as raison, Jacques. Les mains. Demain, effectivement, la première épreuve de filou. Altérophilo, musclez votre philo. Ballon dans les Clermont, toi, qui ont le score d'entrée et qui, attention, ils sont très forts, Jacques, quand ils sont comme tactique, ça. Tactique, là, par-dessus avec Toulousain. Lui, qui est surveillé de près, c'est Colmy. Dupont-Neuf. Richard Gir, autrement dit, Colmy. Et là, Toulouse qui joue. Ça joue à la main, on est dans le calme des jaunes. Ah, quel petit ballon par-dessus. C'est le doc. C'est Michel Huguette. C'était le Doc Martin, Jacques. Ok. Oui, tu as raison, c'était le Doc Médard. Le Doc. Doc Médard qui avait propulsé ce ballon et qui a mis en danger la défense clermontoise. Nous n'allons pas vous commenter toutes les actions, sinon nous nous essoufflerions rapidement. Nous allons survoler ce match. Pour toujours. Oui, enfin jusqu'à la fin de celui-ci en tous les cas. Chaque chose en son temps. Et mêlée, au bénéfice du stade de Toulousain. Oh là là, d'entrée, ça va chauffer. Coup pour coup. Ah ouais, là. Ah, on a raison de ne pas rentrer dans ce match directement, Jacques. Sinon, nous serions comme lui. Nous serions KO déjà d'entrée. Non, nous avons raison de survoler un petit peu. Laissons passer là. Ah oui, l'en avant. Quoi qu'il est en arrière, ce ballon, Jacques. Hein. En arrière de l'en avant. Non, il est en arrière.
Non, c'est peut-être parce que c'est l'effet de la rediffusion avec le ralenti, ça fait peut-être l'effet l'angle. En arrière. L'angle est différent, Jacques, en arrière. Dans le temps, c'est le review, c'est tout ça. Qu'est-ce que vous fumez ? Ni par un vigneron qui s'appelle Martin Grisovi. Très bon vigneron hein, qui était. Beau cep. Oui. Discussion entre le, oh là là, le médecin et oui, le médecin qui laisse repartir son patient chez lui, puisqu'il est accompagné bien évidemment et qu'il pourra dormir sereinement. Oui, je ne suis pas contre ce que le jeu puisse s'arrêter sans qu'on arrête surtout le temps lui-même. Non, Jacques, on ne peut plus arrêter le temps. On ne peut plus arrêter le temps. En rugby, c'est difficile. Ah bon ? Non, d'ailleurs, regarde, nous sommes en train de rejoindre. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Je nous trouve un petit peu quand même, hein, pas tout à fait de gala. Canon calé, oui, mais pour l'instant, le match n'a pas pris non plus la dimension tant attendue. Regardez, ils se sont déjà chauffés. Maintenant, une mêlée qui s'écroule. Ça se rentre dedans, là, ça se chamaille au niveau du corps, de la moelle, de la colonne vertébrale. Ça se cherche. C'est médical. Là, c'est médical, Jacques. Mais celui qui fera mal à l'autre, je pense que il remportera la suite de cette confrontation. Mais là, il faut se faire mal, chacun. C'est terrible. On a vu dans le stade de judoka Teddy Ruiner. Pour ceux qui achètent ces chaussures, qui font quand même 53, et là, ça coûte. Allez, vite, il faut la rentrer, cette balle, vite. Mets le ballon dedans, allez, tu peux échouer. Là, voilà, c'est fait, mais ils sentent que la... Bonne écroulade encore, mais ça bénéficie quand même dans la panique au stade. Dupont-Neuf, avec Dupont-Neuf. À Sol. Dupont-Neuf, il est bon... Mais non, c'est bouché, il y a le festival Hydro-Loco. Je le sais, quoi, on ne peut pas passer. C'est le bordel, un peu. Faut les passes. Passe. Et Tolosha qui a perdu la pelota, mais qui l'a récupéré à l'intervention de monsieur. Dont on n'a pas dit le nom aussi, monsieur comme vous voulez. Comme tu veux. Oui, comme tu veux. Monsieur comme tu veux, pardon, Jacques. Comme vous voulez. C'est toi qui choisis. Il est assisté de monsieur, c'est toi qui choisis. Et attention, il est Jovic. Maladresse. Oh, lui, l'envie. La genouille. Ah, ça y est, ça devient fou. Ce match devient fou. Et c'est ça qui est bon. Avec Colmy. Oui. Colmy. Ouh, le ballon n'est même pas. Il est visible. Comment ça va vite? Oh là là. On est côté droit, on va rentrer dans le... Mais non, nous, on est habitués au foot féminin, les gars, depuis quelques temps, et du coup, là vous allez trop vite. Pas exagéré, avec le stade de Toulouchen qui progresse à mort maintenant dans la défense clermontoise. Ce sont des jaunes, heureusement, les noirs, bien noirs. Sergent Ramos, surveillé de près. Et les noirs, oui, les noirs, sans rouge, Jacques, hein. Sauf le sang qui va couler sur leur visage dans quelques instants. Et touche au bénéfice de Clermont-Ferrand. Beaucoup d'attention dans cette partie, vous l'écoutez, écoutez l'attention. Lyon pour, Lyon contre, ça fait tension. Il y a quelqu'un ? Oh, cette action intéressante, intelligente, mais pas tout à fait réussie. Il l'avait cherché, mais effectivement, Jacques, mal réalisé. Un coup de pied intéressant, donc, au-delà de la ligne d'essai, donc, dans le camp. Oui, mais au-delà de l'imaginaire, même, on était déjà, à un moment donné. Allez, avec Stark. Hein. Qui ? Lequel ? Robert ou... Les jeunes sont bien regroupés. Jean-Francis, je sais pas. Je ne sais pas si. Jean-Francis Stark, donc, qui sort ce ballon pour Clermont-Ferrand. Jean-Francis Stark, qui fait dans la cristallerie, je vous le rappelle. Mais là, ils font la chemise un peu. Là. Et petit gars, mais mauvais, très mauvais. Alors, coup de pied de Ledlow, avec, T'es corrigé. Qui... Et pour les stades de Toulousain qui récupèrent, qui a picoré là, ce ballon. Là, c'est la bonne action, ça c'est la bonne action. Ils sont bien dans les 22 mètres. C'est bon, ça. Allez, on distribue côté du pont de neuf. C'est bon, ça, côté droit. Annelier, Huguette. Bien placard. Ah oui, bien pris Huguette par son vis-à-vis. Très bon placage et intervention de monsieur. Attention, il y a quelque chose. Intervention de monsieur, comme tu veux. Pénalité au bénéfice du Stade Toulousain. Alors, si je suis bien informé, c'est la cinquième finale entre ces deux équipes. Et c'est la cinquième fois, peut-être. C'est peut-être la sixième même. On l'a fait cinq fois, donc clairement. Quand il t'embarque dans le stade. Oui, je n'étais pas tout à fait sûr. Mais si, c'est ça. Mais si, non, il joue au foot. Cinq fois, ces deux équipes se sont rencontrées en finale. Cinq fois, le Stade Toulousain l'a emporté. Il l'a fait. Bon, bravo, Jacques. Combien on a de jingles ce soir? Ah, fort. Top fort.
Ah, top 4. C'est bon, ça, j'aime ça, j'aime ça. Le top 4. Et c'était une pénalité. S'il vous plaît, monsieur. Pénalité au bénéfice du Stade Toulousain, la première. Souviens-toi que la première. Elle était à côté. Ah bon? Est-ce qu'il y en a une première? Et c'est le sergent Ramos qui va tenter cette pénalité pour le Stade Toulousain. Sous bien évidemment. Jean Garcia Ramos. Mais qu'est-ce qu'il fait l'autre là, le gilet rouge? Qu'est-ce qu'il fout là, ce gilet rouge sur la pelouse? Ah, c'est pour récupérer le ti. Le ti. Oui, tu vois, le petit truc vert, ça passe. Oui, c'est plus propre. Oui, c'est propre comme terrain, ça. Terrain, l'égalisation du Stade Toulousain, excusez-nous. On était partis dans l'environnement alors que... Malgré l'annonce de la suspension du projet de loi autorisant les extraditions vers... Exactement, madame. Malgré tout ça... Nous continuons à commenter le sport. Finale du top 14, réduit masculin. Tu me l'aurais pas fait pour le foot féminin, celui-là. Si, nous le fume, nous le fume. Récupération de Huguette. Huguette pour le Stade Toulousain. Et Dupont-Neuf qui demande à ses partenaires de venir se regrouper et d'avancer. Surtout, voilà, jouer et ne pas perdre le ballon. Jackie, un barbecue qui commence. Où ça? Où ça? Ah oui, ça y est, ça commence. Effectivement, je... Écoutez-moi ça. Prévenez Madame Saville, il y a... C'est elle qui a les allumettes. Touche 3-3 entre Clermont. 10 minutes de jeu déjà entre Clermont et Toulouse. C'est pas grand-chose, 10 minutes, 3-3, c'est pas grand-chose. Ça va vite, 3. Ça va vite, mais c'est pas grand-chose. Oui, mais ça va vite. Et le commerce continue, bien évidemment, pendant que les jeunes gens s'ébrouent sur la pelouse verte. Le commerce, lui, continue dans les tribunes. C'est ça, le sport, désormais. Allez, une touche au bénéfice des jeunes de Clermont. Oui, mais qui est embêté par la formation toulousaine. Oui, mais il y a Bulldozerman. Voilà, frite, c'est Bruce Lee. Bruce Lee qui était parti. Ah oui, bonne combinaison. Accélération. Ah, ils sont bons, hein, les maillots jaunes. Les maillots jaunes avec Indurain. Indurain qui s'appelle Bernardinho. Bernardinho. 10 minutes. Là, ça, 8 minutes. Qui? 9 minutes. Ah oui, interception. Toulouse. En avant pour les autres. Orze. En avant pour Clermont-Ferrand. Ah bon. Ce serait une mêlée au bénéfice des Auvergnats. Ah, Jacques! Je compris aussitôt qu'on m'avait donné cette chambre qui était celle du fils absent. Nous sommes ce soir effectivement dans une espèce de. Métaphore! Clermont-Ferrand. Métaphore, mais fais ta chambre surtout. Et ce sera une mêlée au bénéfice Jacques des Auvergnats, du Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme est un département. Absolument agréable à visiter. De temps en temps, je dirais, non pas prendre des risques, mais il ne faut pas prendre des risques dans les pieds d'homme. Jouer sur rugby naturellement, voilà. Oui, c'est ça. Lâchez-vous, êtres humains. Oui, cela, je trouve que il y a du jeu, Jacques. Aha. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit un petit peu plus coincé. Fermé. Ouais. Je trouve qu'il y a du jeu. Jacques. Je sais toi ça. Jacques Yes, ouais. Ah oui, avec Fufana. Fufana. C'est extrait. 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 Et ça continue avec Clermont-Ferrand. Avec Michel Lopez. Ouais, Michel Lopez qui est pris par Dominique Wattini. Qui donne la balle. On a perdu un peu la vitesse, alors on la recherche encore. Ah, mais joue Clermont, joue tout le monde. Et oui, intervention effectivement hors jeu de position du Stade Toulousain. Ça allait trop vite, ils n'ont pas eu le temps de se replier. Ce serait une pénalité signalée par monsieur, comme tu veux. Rien ne vous empêcherait de lui faire une visite. Non, c'est monsieur comme tu veux. Donc, vous y allez quand vous voulez. C'est son nom. Hein. Ouais. Sur sa sonnette, c'est comme ça. C'est comme tu veux. Regarde ce stade plein, Jacques. Après, moi, j'ai regardé un peu Roland Garros. J'étais attristé par ces sièges vides. Et regarde là. On sent le peuple derrière. Quand même, hein. On sent quelque chose. Et, voilà. Et encore, Jean-Louis ne nous montre pas le troisième étage, parce qu'il y a encore un troisième étage tout de même. Jean-Louis, un plan large, merde. Un plan au large. C'est à Lyon. À La Rochelle. Et attention, pénalité pour Clermont. Règle l'agence. Nouveau, une opportunité d'achat. Un T4. Et un T3. Et cela, un T3 points. T3 points, bravo Jacques. T3 points magistralement réalisé par Greg l'agence pour Clermont-Ferrand.
Alors je suis inquiet quand même sur les maillots du Stade Toulousain. Il y a le nom du président de la fédération de rugby. Ah bon? La Porte. Tu es sûr? La non. Porte, c'est pas la Porte, c'est pas. Non, là, tu es sûr qu'un. Et attention, ce ballon est relancé par Toulouse. C'est la double peine. Tu prends un essai et en plus tu dois relancer. Et là, en plus, il se chie. Aïe, 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 le sergent Ramos qui vient de foutre la merde. Oh, Clermont est en train de mettre la main sur ce match. Attention, les gars. Un son arrive. On le développe au maximum de nos capacités. Préparez-vous. Et déjà 14 minutes de jeu dans cette première période et Clermont a pris l'ascendant sur le Stade Toulousain, je dois le dire. Juste un peu déglingué quand même. On écoute. C'est vrai, Jacques. On est en train de faire un scan. Allez. Mais après ce mauvais renvoi toulousain, après cette pénalité, clairement, toi, je suis obligé de faire votre métier quand même. Je suis désolé, moi normalement je suis là pour faire le guignol. D'accord, mais on est fort en scan, hein. On a été primé au festival de scan. C'était plutôt le festival de Sky, avec des durs à cuire. Et pendant ce temps-là, la mêlée ne se fait pas. Voilà. Ne se fait pas, il se passe des choses. C'est déglingué quand même. C'est un peu le bordel, hein. C'est un peu le bordel. Jean-Louis, remets-moi un peu de quand même d'ordre dans ce match qui est merdique. Là, il y a une faute de Ramos parce qu'on... Ah, mais c'est ce que je te disais, Jean-Louis. Hein ? Remets-nous dans le truc. Oui, alors c'est pas cool les Ramos. Donc toujours 6-3 hein, pour Clermont-Ferrand qui a pris l'avantage devant le Stade Toulousain après 15 minutes de jeu dans cette finale qui est... Certes, par moments aérienne, un peu légère, et puis tout le reste du temps est très fermé. On sent une tension terrible. Appelle maman, je viens manger demain un biki. Ouais, parce que 15 minutes, une vingtaine de secondes plus tard, il y a toujours un petit écart entre ces deux équipes qui ne développent pas un jeu à la main véritablement. Ouh, attention puissant. À cette relance. De, ouais. Oui, c'est du pied. C'est du oui, pied. C'est du pied. C'est ce du que pied, je dire. Ouais. La main est un petit peu. Négligée. Négligée. Ouais. Tu as raison Jacques, bravo de signaler ça, on sort là l'analyste et le mec connaisseur de rugby. Oui, après tout ce scan, tout de même nous avons des confirmations. Il saigne énormément et personne ne vient lui mettre un bandeau à ce jeune alors qu'il get. Ah bon? You get forever, you get for me, you get formidable. Oui, effectivement, et là. Ouais, il y a du bon remplaçant. Du bon. Du bon remplaçant. Ah, il y a du bon remplaçant. Et touche pour Clermont dans sa moitié de terrain. On va la contester du côté de Toulouse. Oui, mais pas assez. Et le ballon récupéré par les Auvergnats. On cherche un peu la transpersade. La confrontation. Un peu la confrontation. La confrontation physique. Ouais. On cherche un petit peu voilà, à montrer qu'on a la puissance d'accord. En soi. Pour défier l'adversaire, mais ouais. Là, il est reparti, Kiki, et pénalité pour la Stade Toulousain parce qu'on a été trop loin du côté de Clermont-Ferrand. Bon taclage de l'autre. On se souviendra que le 15 avril dernier, les deux équipes s'étaient rencontrées avec une foisonnade de jeux, d'esprit de jeu, et de résultats heureux. On s'en souviendra. Ah. Serais-je mal tombé ? Du tout, monsieur. Vous êtes dans Sportage 902. Nous sommes à 17 minutes de jeu et Clermont-Ferrand est sanctionné après ce bon. Ouais, tu vois, c'est là. Lui, il n'a pas le droit de se coucher comme ça. Ouais, il est mal tombé, lui, par contre. Et pénalité pour Tolosa. Tolosa, c'est Jean-Claude Mdank qui va venir. Ouais. Ouh là là. Et pénalité. Regarde ce stade, tu vois le troisième étage. Là, on l'a, le troisième étage, Jacques. Oh, c'est beau. Ah, oh, c'est plein, c'est pas Roland Garros. Alors, Jean-Philippe Moudin qui se met. Je laisse planer d'un doute. Nous sommes comme des rois. Pénalité. Attends, ils vont égaliser. Pénalité pour le Stade Toulousain. Ce serait horrible. Oui, c'est monsieur 96%, me semble-t-il. Ah bon ? Ah oui, il est bon. Ah, il est bon. Alors, c'est regarde, vrai c'est que là, bon. C'est tout au milieu, c'est planté. C'est nickel, voilà. Même pas un écart, rien, c'est direct. C'est goal ! Oh. Para Toulouse qui égalise. Ah oui, qui égalise. Toulouse, c'est l'Espagne. Muchas gracias. También. Et cette fois-ci, c'est les Auvergnats qui doivent faire le renvoi. Et tu vois, c'est ça. C'est curieux. Tu prends les points et ensuite, tu dois renvoyer le ballon et le livrer à... avec le... Du point comme à la piscine. Hein. Et oui, c'est parti. Allez, il est parti, un petit veut faire un plongeon dans les 22. Simba tout seul. L'international français.
mais c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Stade qui a remonté 60 fois 2 mètres. D'après les agriculteurs, putain les galons. Oh, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Oh, il est bon. Ah. C'est une touche. Oh. Mais c'est dommage d'avoir rendu ce ballon alors qu'il était d'attaque. C'est le doc qui a raccourci la consultation. Oui, ah oui, effectivement, il a plus le temps. Hein. Il n'a plus le temps, le doc, on le voit. Alors, c'est parti avec Dupont-Neuf. Ah, et oui, ouais. Équipe. Un plaquage cassé. Regarde le deuxième, c'est fini, tu m'auras pas. Toi, tu m'as eu, eh ben, tant pis, il y aura le ballon. Comment ? Donc son camp ? Il touche au bénéfice de Clermont-Ferrand, mais dans ses propres 22 mètres, il ne faut pas louper le lancer. Et là, vont-ils le contester, les Toulousains ? Non, rien du tout, pour aller justement les empêcher d'avancer. C'est une tactique, Jacques. Stratégie. Oui, c'est une stratégie, une tactique. Et là, par contre, on est désorganisé du côté de Clermont. Et oui. D'accord, très bien. C'est un peu le bordel. De faute côté Toulousain, c'est pas. Du coup, ils n'ont pas progressé. Oui, ils n'ont pas progressé. Ils ont le droit de rentrer par l'avant, comme ça. C'est pas mal. Ouais, s'ils renversent l'adversaire et qu'ils prennent le dessus sur le ballon, ils sont gagnants, Jacques. C'est comme vous voulez. Hein, allez-y, mais comme vous voulez. Pédagogique. Très pédagogique, monsieur. Comme tu veux, tu m'as dit. Ah, pardon. C'est comme vous voulez. Qui par malheur avait son fusil tout chargé, lui a envoyé fusil chargé. Portant, et là-dessus. Ah non. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, alors que Colmy a été pris. Quel dommage. Vous en êtes du barbecue. Ça cuit, Jacques. Alors il est là, Colmy, il prend ce ballon et effectivement, il a mis le pied en chouche. Ah, quel dommage. Quel dommage, tandis que Spartacus arrive. Une touche intéressante pour les jaunes, mais c'est comme tu veux. Mal négocié, pas droite, ouais. Jacques. Pas droite, et donc c'est un ballon pour le Stade Toulousain. 6-6, on vous le rappelle, 20 minutes de jeu. Égalité parfaite, tension suprême. Spartacus. Ces quelques notes de musique vont adoucir, Jacques, l'essai que vous allez encaisser. Vous avez les nerfs ou les vagues nerfs ? Non, Jacques, non. C'est pas ça. T'aurais pu trouver autre chose. Écoutez, là, je ne comprends plus. C'est quoi ce plateau ? Quel est ce plateau ? Sportaz 902, finale du championnat de France de rugby. 6-6, 21 minutes de jeu, une atmosphère lourde. Le ballon sera rendu. Oui. Une prise d'otage ou quoi ? Il est rendu. Ah. Le ballon, il est rendu aux Auvergnats alors que Toulouse avait eu un coup franc pour lui, qu'il avait joué la mêlée et qu'il a perdu. Merde ! C'est rageant. Ah oui, c'est rageant, oui, parce qu'il y avait de quoi faire 3 points. C'est rageant, Jean. Rageant. Les gens rageants. Porteur d'eau, il était dans son club. Notre-Dame, notre drame. Allez, on revoit cette mêlée qui s'écoulache et qui ne profita pas au Stade de Toulousain qui avait pourtant bénéficié, bien évidemment, d'un bon petit possibilité. La qualité du maillot change-t-elle le résultat de la mêlée ? Non, c'est dommage. Par contre, Jacques, excuse-moi, mais je me disais qu'au lieu d'avoir choisi cette mêlée, s'ils avaient pris une petite touche un petit peu plus loin, ça pouvait leur donner la possibilité de... Tu comprends ce que je veux dire ? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, et clairement attaque avec... Ouh là là. Ça se tombe battre le jaune bien plaqué par Youjet. Ah, Big John, Big Yellow Man, c'était... Les jaunes. Bon, déjà. C'est bizarre, je me sens épié. Pourtant c'est du rugby. Oui, Jacques s'amuse tout seul dans sa cabine, alors que clairement... Ouais. Boumba. Avec Bomba 40. Ouverture jaune. Oula, et non, et oui. Oh, pastis là qui s'énerve. Ça continue avec Sergent Ramos, et c'est parti. Oula, ça non, dispute. Non, ça va, voilà. Vérifie les maillots. Laisse-moi tranquille. Hop, une petite claquette à la fin. Et ce sera une pénalité au bénéfice du Stade Toulousain qui a résisté à l'assaut Auvergnat. On sent que Jacques, n'est pas en place dans cette confrontation. Hein. Ils se craignent les uns les autres et ils ne se livrent pas totalement. Oh, j'aime. Le match reste esthétique. Oui, esthétique. Ah oui, c'est là, effectivement, il y a cette protection illicite alors que boum boum baba, boum boum boum, et boum et pas. Tu fais beaucoup.
à l'arrivée. Il est au sol. C'est vrai qu'il a ramassé un petit peu dans tous les sens et ce sera une touche au bénéfice du Stade Toulousain. Il y a toujours 6-6 entre les deux formations. Nous vivons bientôt la 24e minute de jeu. C'est sympa. Para Toulouse, Toulouse avec Guinoves. Guinoves. Novest, pardon. Guinovest. Que nous irons récupérer au vestiaire, mais nous avons perdu le ballon. Nous avons perdu le ballon et contre-attaque de Clermont-Ferrand et lui des bons. John. Ah, intervention. Non, intervention. Intervention de monsieur. Comme tu veux. Ah non, c'est lui qui a le nom du président de la. Ah, il siffle un en avant sur cette passe-là, Jacques. J'aimerais bien revoir ça. Jean-Louis, s'il te plaît, si c'est permis. Est-ce qu'on peut revoir ce en avant de passe? Pendant qu'un protocole tente. Là. En avant, limite, hein. C'est vrai que c'est pas flagrant. Non, c'est difficile, ouais. C'est difficile à dire. Okay. Oh, ils sont pas contents. Oui, un fan de Clermont qui réclame un carton jaune. Il a déjà les maillots jaunes. Ouais, et Fofana, ça fait deux fois ou trois qu'elle vient se faire soigner là. Ouais. Ramasser Fofana, que lui se fait démonter par je ne sais qui. Mais, remonter plutôt. Sportas 902. Le temps est arrêté. Le temps a été stoppé. Bon, c'est pas ce qu'on aime le plus dans le rugby, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que pour ces joueurs, leur intégrité physique est d'autant plus respectée. Jacques, la saison était longue. Ah. Souviens-toi. Que vous savez, monsieur Lucien, à 100 pas d'ici. Lucien n'est pas là, monsieur. Mais à bien plus loin que 100 pas. Attention. Ce match va reprendre avec une mêlée. 24, 27, 28, 29, dès que c'est à 47, tu me l'as dit, je lâche tout. Ouais, 24 minutes, 36 secondes. Ah, quelle belle image. On va redémarrer le jeu tout de suite avec cette mêlée. 41. Tu nous as mis mal sur les mêlées. Oui, mais il reprend le ballon, il peut le jouer. Pour 9, très bon encore pour Esquirol. Est-ce qu'il roule? Est-ce qu'il roule surtout? Oui, je relance le chronomètre. Tant pis. On est en retard, mais ça joue pour le TFC. Qui a la balle avec Marsico. Marsico. Toulousain Rugby Club. Le Twek. Ouais, petite balle. Oui, ouais, mais en fait, oui, mais doucement. Ils avancent doucement. Allez, avec Dupont-Neuf. Oh, il joue le coup. Le doc est vieux quand même. Maintenant, il faut l'aider parce qu'il est fatigué. Il faut reprendre le cabinet. Il n'en peut plus avec lui. Oh là là, directement. Ortolan. Qui? Casalbouif. Tous les Toulousains sont là, dans les 22 mètres désormais de Clermont-Ferrand. Avec Mazé, Rive, Skrela. On chipote avec le ballon, mais on avance un peu. On continue, on avance 2-3 mètres. Oh. C'est léger, c'est difficile. Il est tout seul, il va pas tout seul. Ça conteste. Mais on est bon encore côté Toulousain, il faut rester. Et on progresse d'un mètre, deux mètres. Mmh. Et le drop, le petit drop. Ça sent drop. Oui, ça sent tirer le drop. Mais oh, ce ballon a été perdu. Perdu. Eh oui, on joue, mais. Mêlé au bénéfice du Stade Toulousain. Quelle ambiance, quel suspense, quelle tension. Top 14. Ah oui, top. On écoute le morceau Top 14, Jacques. C'est parti. C'est celui-là? Non, je crois que c'est celui-là. Il est en top 14, donc on écoute. C'est en Arizona. On arrête! Jingle! Vous verrez une réconciliation. Ah, c'est autrement plus rare qu'une vendette. Absolument, monsieur. C'était joli tout ça. Il y a un jingle ou il y a une mêlée intéressante? Il y a une mêlée intéressante, mais j'ai pas l'impression qu'elle va se dérouler. Normalement, tout ça. Si, ça y est, le maillot rouge se tire, le rond-point est libéré. Ouais. On peut y aller, mêlée. Bonne visibilité. Attention, c'est une très bonne mêlée dans les 22 mètres. Ouais, c'est vrai. Alors là, on peut jouer tout pour le Stade Toulousain, soit le drop, soit l'orientation à gauche, soit l'orientation à droite, Jacques. Tout est possible. Soit on part par Saint-Cernin, soit on file par la côte pavée. C'est ça qui est bon. C'est une mêlée forte. C'est une mêlée excellente. Mais ils sont, me semble-t-il, un petit peu secoués. Hein. Ah. Ouais. Ils sont secoués par le pack de Clermont. Par le pack de Clermont dans l'impact. Le pacte. Oui, le pacte. Ah. En effet. Le parc.
Merci, monsieur. Le pacte des princes, donc. Et toujours 6-6, on vous le rappelle, entre les deux formations. 6-6, égalité totale en rugby, c'est très rare. Oui, autant dire 0-0. Oui. Mais 6-6, ça fait qu'il y a eu des points. Hein, l'impératrice, 6-6. Pourquoi pas? Si tant que personne ne notrice. Mais allez, sérieusement, maintenant, redevenons commentateurs sportifs nous le fûmes depuis Jacques, je te le rappelle, 1994. Et cette fois-ci, c'est au bénéfice. Il le joue vite. La mêlée foireuse au bénéfice des Toulousains avec Dupont-Neuf. Il a raison d'emballer le jeu. Il a raison. Il faut les provoquer, les faire souffrir, les ralentir, ces Auvergnats. Ok. Est-ce qu'on va lancer un petit peu au large? On pas habitué à ça. Au large. Du large de la combinaison et du large. Ouchet. Dougat. You got for me. You got for Star Toulousain. You get for me. Yeah, try for you. Get for try. Ooh, get for try, me. Try. Try for Star Toulousain. Après action, qu'il a joué bien. C'est comme ça. Eh oui, juste une petite interférence, un petit truc et... Une pure Toulousaine. Une petite visite dans le camp de Clermont et... On vient en arrivée pion. Fait quoi? Try. Ok, attention à la transformation. Ah, premier instant sympathique de cette finale. Et je pense que Clermont était certaine de marquer le premier. Je dis Clermont certaine parce que il revient ce ballon mais à côté. Dommage. C'est vrai que psychologiquement, de marquer le premier essai de cette superbe finale de top 14. Et là, c'est lui qui fait la différence, cette course latérale là qui vient libérer l'espace pour You get my light. Non. Et le Stade Toulousain, donc là, qui par contre fait un petit écart intéressant avec un 11-6. Oui, qui va obliger Clermont à se livrer, à donner là. Ça va devenir intéressant. Très intéressant. Ce match devient fou avec celui-ci. Ils sont vexés. Attends, ils se sont fait prendre les arrières. Ils sont vexés. Intervention de monsieur Pisquet, un en avant. Clermont est secoué. Eh oui, vexé. Donc, précipitation possible sur le nord, en Normandie, avec quelques averses, bien sûr, sur Caen. L'heure est venue de l'écouter. J'ai pas les pieds dedans. Ne vous reverrai-je pas un jour? Non. J'ai pas dit. Ah, il est mal. Il est penaud. Non. Ah si. Il est pneu. Si, il est. Vous peut-être arrêter là. Peut-être effectivement un échappement qui a loupé. Et là, il va. Oh la gueule de son adversaire quand même. Il est allé saccager la gueule de son adversaire et on revoit cette petite action. C'est ça. Là. Clermontoise qui ne donnera rien si ce n'est une mêlée au bénéfice du Stade Toulousain qui a inscrit le premier essai de cette partie. 30 minutes de jeu, il mène 11-6 jingle. Il y a des usages, si vous voulez, qui doivent rester complètement libres. Par exemple, la citation d'une œuvre ou la parodie, c'est des exceptions qui existent et qui sont gratuites. Le droit d'auteur, c'est un équilibre entre une sphère contrôlée par l'auteur, depuis toujours, et une sphère d'usage qui doivent rester libres. Ça a toujours été comme ça depuis la Révolution. Et l'enjeu, c'est que ça le reste dans l'environnement numérique. Sport d'Az, depuis toujours. C'est sûr que si on veut reproduire nos conneries d'un match, ça va prendre du temps quand même. Ouais. Mêlée au bénéfice de Toulouse. Mais heureusement, il y a Paparodi. Avec Moudenc. Moudenc qui... Jean-Philippe, pas Moudenc, Smets. Exceptionnellement pour cette finale du Stade Toulousain face à Clermont-Ferrand, top 14 masculine. Ouais, mais ça joue, Toulouse joue, même s'il perd le ballon sur ce coup-ci avec Fofana. Il le récupère pour Clermont-Ferrand avec, Slimane qui le donne avec Wellaoué. Wellaoué au sol, ouverture encore pour les Clermontois, remontée, Clermontois. Le pêche qui fait le chose comme ça, qui donne, et oui, Clermont sait qu'il peut. Ouais. Qu'il doit maintenant marquer, qu'il doit répondre à ce qui s'est passé quelques instants avant, bien évidemment. Allez, avec Astiro. Qui? Astiro. Arverne. Bien pris, Arverne. Oui, c'est difficile.
Et regarde, ils sont 5 au sol du côté auvergnat et que 2 du côté toulousain. Ça veut dire qu'en défense, ils sont en surnombre. Et c'est très bon pour l'instant ce qui se passe sur cette pelouse. Jean Flingue. Oh oui, il est pris. Jean Flingue 2. Encore les Clermontois qui bastonne sur le côté. Il est bon, et le coup de pied à suivre. Mais il est bon, ce coup de pied à suivre, il faut le compter. Ah oui. Ok, d'accord, la combinaison. Ah, il fallait le suivre. Oh, qu'est-ce qui est derrière, quand il l'a achevé, il lui remet une petite derrière raclette. Après un chou, non? Non, c'est une sympathie, pour lui c'est une caresse, hein. Il fait 146 kilos, d'accord. C'est que du muscle, et pour lui c'est une petite caresse, mais avant il l'a savaté comme il faut. Quand même. Jean-Louis, là, pas derrière en plus, c'est vrai que c'est un peu... On va revoir donc le 146e kilo. Il l'a mis. Mon ami, il a mis là, il y a du plaquage à gogo là, c'était triste. Voilà, hein. Le port. Oh ouais, là, il fout les genoux, les genoux dans le dos. Ah ouais, dans le dos là, c'est terrible, il a éclaté le port. Oh, belles images, Jean-Loup. Oui, attention parce que là, il le prend alors que le ballon est parti. Hein. Ça peut être un plaquage à retardement signalé par l'arbitre, Jacques. Non, apparemment. Comment ça, non? Non. Do you love me? Et finalement, non. Et Guy Novestoun va pouvoir reprendre sa place au sein de la formation toulousaine. Guy Novestoun qui a été... Guy Novestoun. Non, c'est quand même... Après, tu vois pas la suite, la chaussure. T'as pas vu la chaussure après. Oui, comme quoi, il faut se méfier. Hein. On peut s'agenouiller devant le président et balancer un coup de genou dans le dos d'adversaire le même jour. Ça n'a rien à voir, Jacques. Peut-être, mais là, sur le même joueur, avec Mimi. Même lieu. Vous-même. Toujours 11-6. Ah, oui. 11-6 pour le Stade Toulousain qui a inscrit le seul essai de ce match après pratiquement 3 minutes de jeu dans cette première période. C'est fort. Do you love that? Oh, c'est le fort. Contre. Oh là là, il va y aller tout seul. Tonton contre. Tonton contre. Non, bien placé, tonton contre. Et là, il y a encore de la cougnanade. Il y a de la cougnanade. Il y a de la cougnanade, mais peut-être il y a aussi une expulsion du côté de Toulouse. Non. Ah si, il appelle quelqu'un qui n'avait pas la pelota dans la main, il appelle... Un Toulousain. Aïe. Vous avez vu ça, vous? Ah si, quand il appelle comme ça quelqu'un, bon signe. Si c'est lui qui sort, c'est mauvais pour Toulouse. C'est le Sud-Africain qui va vite. Oui, c'est celui qui fait toutes les différences. Qui fit basculer le 15 avril dernier le match. Souviens-toi. Entre ces deux équipes, largement. On l'appelle Colmy, l'arbitre va... Alors, il se renseigne. Et à mon avis, tu sais quoi? Il va payer l'autre action avant, aha. Celle où le plaquage sur le coup de pied à suivre était un petit peu retardement. Alors là où il est copain. Il est là, copain, il prend sans que le joueur ait le ballon. Copain, il le prend avant qu'il ait le ballon là. Ah bah oui. C'est quoi cette histoire? Ah, il est dehors. C'est pas du foot américain, mec. Il est dehors. C'est la grande différence entre le foot américain et le rugby. Merci, Jean. Ah, et le Stade Toulousain qui va finir cette première période à 14, et là c'est dur, c'est très dur. 9 minutes jouées, peut-être 8, peut-être plus. Ouais, on a vu Franck Zemat, qui est quand même sacrément fort dans le calcul mental et physique, et bien évidemment dans le calcul tout court. Et l'arbitre discute avec les deux barbus, là il leur dit, vous êtes vraiment sans déconner, arrêtez les conneries, on a les mêmes rasoirs, hein? Si. Comme ça. Mais non, moi je t'ai dit que dans le rasoir, pique toi, tu prends les gilets. Alors comment on fait? C'est la merde, on peut pas être. C'est pareil, d'accord. Alors c'est des micro-pubs hein, pour. Merci. Bien sûr. Faire que le rugby masculin hein, qui a peu de pognon par rapport au foot masculin. Peu ne veut plus rien dire, Jacques. Peu. Hein. Non. Peu ne nous, peut plus peu en, on peut plus en parler peu, comme ça. Peu. Pénalité pour Clermont. Voilà. Tout à fait réalisable, bien sûr. Beaucoup plus sérieux tout de même, hein, beaucoup plus important, intéressant. Qui est à mi-chemin entre le but et le rebut. Oui, c'était un peu facile à faire, il le fit. C'est dedans. Il l'a fit. Il l'a fit. Et là, il est plaqué. On le voit, effectivement, il est plaqué, le grand. Il est plaqué. C'est bien, il le fit, c'est bon, ça passe. Il le fit, ça passe. Bien sûr. Le fils, c'est autre chose. Et surtout d'amitié avec. Il se
histoire de copains. C'est vrai. Donc on est content derrière, on sait pas pourquoi, mais il y a des gens contents. Eh bien oui, parce que clairement on revient au score, ça hein, rassénère le suspense. Alors que lui là il le sait. Ces 10 minutes là il va en profiter Jacques pour se remettre en fonction totale. Ouais, ouais. Et quand il va rentrer, ils vont comprendre pourquoi. Oui, c'est la playlist du joueur hein, qu'on entend, effectivement, un peu perturbé. On y va les gars. Non, on y va. Merci. On y va où? On y va où? Je vais où? Jean-Marie, il y va où? Directement. Sans se poser de questions. Vous avez raison, monsieur. 11-9. 11-9, Clermont est revenu à 2 points seulement. Oui. Du Stade Toulousain, quelle finale. Oui, relativement à hauteur de l'ambition. Non, dans le suspense. Dans le suspense, oui, mais dans les... Dans le vœu. Dans le vœu. Non. Je confirme. Non, pas européen. Ce ballon sera récupéré par monsieur. Ah oui, qui considère qu'il y a eu un an avant du côté toulousain, il rendra la balle. Au Clermontois. Catabuanon. À toi, Clermontois. Là, on revoit l'action, voilà, on la revoit. Qu'est-ce qui s'était passé? Le joueur a été en danger, bien sûr. Non, le contest était bon, mais du mauvais côté, du côté, de, bien sûr, Toulouse. Oh. Eh oui, c'est à côté, côté et côté. Ce match est bien côté, Jacques. Mais là, il l'a pris, tu vois, il lui a pris le dessus. Mais pourquoi il y en avant? Parce que là... Oh non, il n'y a pas en avant, il a tout été là. Oh, quel bordel, ce truc. Ah, ça fait de belles images, hein, Jean-Loup. Jean-Loup, j'en achète. Le jambon l'air. J'en achète. Oh, belle poussée du Stade Toulousain, oui, qui oblige. C'est bon à mettre. En difficulté. Et là, il y a contest, oui, il faut qu'il le donne. Non, il y a contest, il est debout depuis tout à l'heure. Il attend combien de temps avant de siffler? Eh ben non. Oh non, ça, Jacques, je suis contre ça. Ouais, monsieur. Ah oui, moi, 3 secondes de contest. 3 secondes de contest et c'est contesté, point. T'es large, monsieur, comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Fais comme il veut. Merde. Et clairement, on va pouvoir se dégager depuis sa propre moitié de terrain. D'accord. Ça devient chaud. D'accord, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de points encaissés. Encaissés. Avec Huguette, oui, mais Huguette, on la met dans une disposition un petit peu délicate. Elle est obligée de revenir vers ses partenaires. Voilà. Et ça va jouer avec Dupont-Neuf. Allez, on serre le jeu. On serre. Boulogne. On essaye. Sur mer. Oui, pas loin de Toulouse. Hein. On bouconne. Laquelle, monsieur? On bouconne. Allez, Dupont-Neuf qui a tapé par-dessus, ouais, bien par évidemment, dessus, bien sûr, et qui va livrer un petit ballon d'Angers. Au Beaux-Arts. Oui, Huguette. Oh. Magnifique. Ah oui, tout seul, il est bon. Il a gardé le ballon. Ah, a perdu la pelota. Oh, a perdu de la pelota, quel imbécile. Tout ça pour ça, c'est vrai que finalement, 5 mètres de trop. 5 mecs de trop. Il va avec Foufane. Foufane au sol, qui finalement, non, on ne peut... On conteste difficilement du côté de Toulousain, mais c'est clairement qui a récupéré ce ballon et qui le perd. Oh, c'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? En avant. Ah, il considère que c'est... Et pourquoi il rend le ballon au Toulousain? Hein? Trop tard. Quoi? Oui, what oui, the damage. C'est ça. Ça peut arriver. Ah oui, alors qu'on avait récupéré ce ballon et qu'il était dangereux, l'arbitre... Il a perdu un peu ses moyens, monsieur, comme tu veux. Ses moyens, comment ça, ses moyens? Il est bon. C'est pas brillant, c'est bon. Vraiment, t'as un sentiment bien profond, des coups. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur, c'est comme ça. Le sentiment, c'est toujours profond. Bravo, Jackie, d'avoir rectifié ce salopard qui était intervenu. Et on voit ce qui se passe au ralenti grâce à Jean-Louis. Ouais, il y a du grain. Quel plaquage. Il y a du grain. Quel plaquage magistral. On n'a pas aimé côté public ce qui vient de se passer. Ah non. On n'a pas aimé. Il n'a pas sifflé. Il a pas sifflé. Il faut pas siffler. Dieu vers la pendule. C'est une mêlée au bénéfice du Stade Toulousain. 38 minutes de jeu. C'est live violence. C'est difficile, hein. Ces mêlées sont difficiles. Ouais. Très. Ouais, pendant ce temps-là, le Stade Toulousain ne prend pas de points. Si, ils en ont pris 3. Points, oui, ouais, sur le premier temps, évidemment, où le film est sanctionné. Il fure. C'est nos films. Oui, ça, c'est autre chose. Bien évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire, avec 4 étoiles hein, sur le maillot Toulousain. Et c'est une mêlée très importante, parce que là, ce ballon... je commente. Il est important, donc c'est vrai, bien noté. Avec la fiduciale. Oui. Qui est sa belle-sœur aussi, du
côté droit. Il faut la sortir vite, on est enfoncé. On est enfoncé par. Oui, oh, clairement, qui nous donne minable. Ça fait un petit pont. Oh là 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 là. On est défoncé en mêlée, c'est terrible. Oui, clairement, c'est vrai que physiquement. Ah là, ils nous ont fait balle. Oui, nous sommes 14. Ah oui, mais lui, il perd le ballon. Oh, et Gittoun, vas-y, Gittoun. Gittoun Oves. Oh non, non, non. Trop de bordel sur cette pelouse. Et monsieur Schmou s'est obligé d'intervenir parce que c'est vraiment la merde. Ouais, on a dû changer le nom de l'arbitre qui commençait à faire n'importe quoi, monsieur Schmoulz. Pour garder l'anonymat, bien sûr, il est en danger. Avec les réseaux sociaux, désormais, on ne sait jamais. Voilà, ça énerve tout le monde tout de suite. Maintenant, ça. Ah, cette mauvaise passe. Elle est basse, elle est trop basse. Oui, passe basse. C'est pas bon. Passe qui basse. Par contre, juste avant, on avait eu un bon petit son de quelque chose. Mêlée au bénéfice, une fois de plus, du Stade Toulousain, mais il faut les jouer plus vite. Parce que là ils sont mal. Ils sont mal sur ces mêlées, ils sont secoués grave, ils n'ont pas le temps de les jouer et c'est pas bon pour eux. T'as qu'un amour. Ouais, là on voit 8000 kilos. Là si tu les invites à bouffer, mon gars, t'as intérêt à avoir. Allez, mais ça pousse avant, ça pousse tout le temps, c'est un peu la merde. Oui oui, c'était pour la marque Comme J'aime Tout. Si vous voulez gagner 10 kilos en 3 mois. Comme J'aime Tout. J'ai pris 10 kilos en 3 mois. Je mange de tout. J'ai réussi en tout parce que je mange de tout en fait. Du gras. C'est simple, j'achète tout. J'aime. Je mange tout. J'aime. Comme j'aime tout. Allez, mêlée pour le Stade Toulousain, s'ils peuvent la faire. Nous sommes dans les arrêts de jeu et ensuite je demande à tout le monde de libérer les WC parce que je vais y filer directement. J'aime Toulouse. Les... Sportaz 902, mêlée, vite, Roger Noir, sur la pelota, sur le côté de la une combinaison. Guitounovèche. Regardez ce ballon. Ils ont perdu le ballon. Ils ont perdu, ils se le font arracher. Et clairement, 30 secondes pour marquer. 5. On va les bloquer. Avec Fofana. Fofana. Bien prise. Allez, obligé de peut-être de jouer le dégage, au pied, c'est fait par les Clermontois. C'est la mi-temps, Jacques, c'est la mi-temps. Et Toulouse mène 11 à 9. C'est la seule équipe à avoir inscrit un essai au cours de cette première période. Madame, mademoiselle, monsieur, mi-temps, ce qui veut dire, c'est le moment.